Au moins 520 élèves seraient aux mains du groupe djihadiste Boko Haram lié à Abubakar Shoko. Au dire de Boko Haram, 520 et non 333 élèves sont retenus captifs après l'attaque d'une école secondaire à Katsina, dans le nord du Nigeria. Ce jeudi, le groupe djihadiste nigérian Boko Haram a publié une vidéo, dans laquelle on peut voir des dizaines de jeunes garçons dont un explique qu'il s'agit des centaines de collégiens et lycéens enlevés à Kankara, dans le nord du Nigeria. Le jeune garçon explique faire partie de 520 élèves enlevés par le gang de Sheko, du nom du chef historique de Boko Haram. Un homme se présentant comme Abu Bakar Sheko diffuse ensuite un message vocal dans lequel il affirme, Voici mes hommes et ce sont vos enfants. On pense que le rapt de masse a été coordonné par le chef de gang Valin d'Odawa en collaboration avec deux autres bandits renommés, Idi Minority et Dankarami, groupe armé qui terrorise les populations dans le nord-ouest du Nigeria, et perpètrent des enlèvements contre rançon et des vols de bétail. Cette attaque rappelle sans doute l'enlèvement de 276 lycéens à Chibok en 2014, déclenchant une vague d'indignation mondiale.